L'enjeu de cette rencontre, il est double. Il est d'abord de faire se rencontrer les professionnels de la nouvelle région, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, de créer un réseau. On l'a entendu toute la journée, l'objectif c'est se connaître, partager ensemble pour pouvoir aussi faire ensemble. Et forcément, cette rencontre, elle ne pouvait pas se faire sans Ville au Carré, qui est le centre de ressources sur Poitou-Charentes. Voilà, et puis préparer effectivement l'avenir avec progressivement le passage de PQA sur la grande région et bénéficier de ce que Ville au Carré aura fait sur Poitou-Charentes, sur Limousin, dans le domaine de la politique de la ville. Le message que je suis venu donner, c'est que la région est ici. La région va continuer de contribuer à réduire les inégalités sur les quartiers de cette nouvelle région. Nous avons, on le voit dans le cadre de cette journée, c'est très intéressant, différents des quartiers qui sont maintenant dans des zones urbaines, mais des quartiers différents dans des zones urbaines et des quartiers dans des zones beaucoup plus rurales, où la politique de la ville a toute sa place. Et puis qu'on compte effectivement avec la nouvelle structure Pays Quartier d'Aquitaine avancer grâce à elle sur tout ce nouveau territoire. Pourquoi ? Déjà parce que c'était la première rencontre à l'échelle de la LPC. Et donc ça permettait de rencontrer l'ensemble des responsables, acteurs de la politique de la ville sur l'ensemble des quartiers PLV de LPC. Je suis venu surtout parce que je suis très en attente de savoir comment l'organisation du réseau avec la grande région va trouver une continuité ou pas avec l'organisation du réseau qu'on connaît depuis des années via Ville au Carré. Donc le fait qu'il y ait une initiative conjointe que je salue entre les deux centres de ressources me semble une bonne chose. L'organisation de la journée fait qu'on est dans une prise de contact inter-réseau. La présentation de l'INSEE, de toute façon, elle est intéressante parce qu'elle trace un cadre hein, et puis elle nous permet de revoir les choses fondamentales qui concernent nos quartiers. L'intervention de Louis Morin, c'était une excellente idée parce que, précisément, il a remis en cause un certain nombre de choses et retracer des débats qui sont ceux qu'on a avec les élus, les services de l'État. De ce point de vue-là, c'était extrêmement intéressant parce qu'on n'était pas seulement dans le 20%, 12%, etc., mais dans l'interprétation, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et je pense que c'est important que les gens qui sont au quotidien sur la mise en œuvre des contrats, sur qui bricolent avec des budgets, des projets comme ils peuvent, etc. Je pense que c'est très bien qu'ensemble, ils puissent écouter des choses comme ça, un peu non pas décalées, hein, mais qu'ils prennent un peu de hauteur. Hein, parce que ça permet aussi de travailler dans le quotidien. Les gens, ils ont besoin de sens aussi dans leur boulot. Et je trouve que ça, c'était pas mal. De cet après-midi, je pense, va très bien aussi, puisqu'on est sur du concret, du projet, de l'échange autour de projets concrets. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour que les équipes commencent à se connaître, et au-delà de se connaître pour se connaître, on a des échanges sur des choses un peu concrètes. Quoi. C'est vrai qu'on arrive et l'on participe à ces travaux organisés par nos centres ressources. On est très heureux de retrouver des partenaires, des collègues, et puis de pouvoir échanger. Puis tout d'un coup, on a besoin, bien évidemment, de pouvoir prendre de la distance avec des pratiques, d'avoir des outils qui vont nous être bien utiles. Sur les échanges, moi j'ai noté avec intérêt donc, toutes les actions qui ont été présentées en atelier, savoir que nous sommes en général dans nos départements respectifs toujours sur nos propres actions, voir comment ça se passe ailleurs, trouver des idées, échanger et savoir effectivement d'expérience des uns et des autres, trouver ce qui peut convenir. Voilà.